Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de V Rising. Alors, j'ai mis un petit marqueur qui se trouve à 600 mètres. J'ai envie d'aller visiter cette grotte-là. Juste là, on va aller voir ce qui se trouve ici. Je sais pas du tout. Pendant ce temps-là, ça se produit tout ça, enfin, ça me produit des pierres. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai amélioré la base. Là, j'ai mis des coffres de ressources. Donc, on peut pas mettre tout ce qu'on veut dedans, c'est juste les ressources. Ici, pareil. Hein, les lingots. Ici, les gemmes. Ok, après, les coffres là que j'ai remis. Là, j'ai un petit peu changé par ici. Là, pareil, là, j'ai mis les coffres fourre-tout. On va continuer à améliorer la base comme ça, petit à petit. Hop! Mais sinon, la production continue. Allez, on y va. Alors. Allez, c'est parti. On passe par ici. Non, pas par là. Ah! Ensuite, ah, ça par contre ça m'intéresse. Rien que pour les os. Le petit camp ici. J'ai pas l'impression qu'il y a des coffres. Non. Allez, on va se concentrer sur notre objectif, hein. Vous m'avez pas vu. Oula. Ah mince. J'ai arraché mon épée, j'avais pas vu. Aïe. Arrêtez de me faire mal. Là, c'est quoi ça? Lydia, l'archère du chaos. Ouais, bah non. C'est une sans-V, mais elle est. Elle est balèze, hein. Mais comme par hasard, elle se trouve sur notre chemin. Lydia, l'archère du chaos. Ouais, hein. Niveau 30, bah tiens. Ah bah elle est là, Lydia. Ouais, non, elle est trop pour nous. Aïe! Ouais, non. Oh, dis donc. Voilà. Allez, faut qu'on aille par là. On est où là? Des squelettes. Non, c'est pas des squelettes. Si, c'est des squelettes. Alors moi, je prends. Aïe, 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 ça brûle. Choper des coups de soleil. Un petit peu de soin. Blood sustains me. Voilà. Maintenant. Ah. On remonte un petit peu. Alpha. Ah bah encore. Ah non, je vais pas me refaire Alpha. Ah non. Déjà deux fois qu'on le fait.
Allez, on se tire. On a un objectif. C'est bien, les voyages sont pas ennuyeux au moins. Il se passe toujours quelque chose. Par là. On est à 115 mètres. Donc on est juste à côté. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est débile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est par là, apparemment. Ah, il y a un ours. Bon, bah, les ours, il faut pas trop de lui maintenant, plus du tout. Hein. Après, lui, il est dans un niveau plus acceptable. C'est où? Alors, je vois pas où c'est. Ah, faut peut-être monter. Tanière des loups, zone découverte. Bah non, je vois pas. Je vois pas où l'entrée. Ah, c'est là-haut, là, je crois. Non? Il y a quelque chose, là. Comment on fait pour aller là? Est-ce qu'il y aurait un passage? Par contre, il y a un truc intéressant par ici. Il y a un camp. On va aller voir ça quand il va faire nuit. Bah, je sais pas comment on fait pour y aller. Comment on fait pour y aller? Parce qu'on peut sauter pour descendre une falaise, mais pas pour monter. Enfin, je crois pas. Où est-ce que c'est en rapport avec ça? Passage de caveau. Passage de caveau. Après, ça, c'est peut-être le nom, hein. Peut-être qu'il y a une autre entrée qu'on n'a pas encore découvert. La tanière des loups. On va aller voir là, tiens. Ah. Me voilà dans mon élément. La nuit. Il n'y a pas beaucoup de loups dans votre tanière des loups. Bon ben on va aller voir là, alors. On va aller visiter ce coin-là. Peut-être que le passage se trouve par ici. Du pollen. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Un camp. Ça m'intéresse. Ça veut dire des coffres. Allez les gars. Ouais, je vois déjà un coffre là. Même deux coffres. Je prends. Je prends.
Volontiers. Des planches. On refuse le contremaître. Ah bah c'est là où on était. Ah bah nous alors on connaît déjà par là. Qu'est-ce qu'on a là? Camp de bandits. Le cimetière infesté. Ah bah ça me parle. Bon ça on connaît déjà, donc on va pas y retourner. Je crois qu'il y avait un gros coffre, il me semble aussi. Attendez. Ça peut valoir le coup peut-être. Est-ce qu'il n'y avait pas un gros coffre caché quelque part? Il me semble, là-bas. Ah ouais, mais non. Ah, c'était un gros coffre avant, maintenant c'est un petit. Ok. Donc c'est aléatoire. Ok, bon, allez, on va voir le cimetière infesté. Qui dit cimetière, dit squelette, dit squelette, dit os. Ça peut être intéressant. Par contre, je sais pas comment on gagne nos niveaux. Parce que je suis niveau 23, mais j'ai pas l'impression de gagner, en fait. Comment on les gagne nos niveaux ? My blood. Restore my body. Oula, je t'avais pas vu, toi. Blood sustains me. On est niveau 23. Je sais pas comment les niveaux se font. Je sais pas du tout. Alors. Ok, donc là, ça par contre on n'y a pas encore été, la zone est à peine découverte donc, ça m'étonnerait, ah ouais non on n'y a pas été ici, allez on va aller voir, ça peut être cool. C'est du niveau 27. On peut peut-être le battre comme ça. Ah, bah tiens, il est passé en rouge maintenant. On va voir, on va essayer, on va bien voir. Oh, bah oui, je pense que c'est possible. Ouais, il fait mal, hein. Mais je pense qu'on peut l'avoir. Je pense qu'on peut l'avoir. Oh, mais 5. J'ai une arbalète. Hop. Ah mince. Non, à l'épée. Ah oui, c'est un écho, donc il ressuscite les cadavres. Ah, je suis au max là, mince.
T'es où là? Allez, on va la voir. C'est bon. Ah. Mais oh. Bah du coup, toi, tu reviendras pas. Voilà, parfait. Non mais oh. Bah si, on revient à chaque fois. Bon. On récupère de la pierre. Aïe! From my veins, I rejuvenate. Là, je suis au max. Bon, lui, il faut l'éviter. De toute façon, il revient à chaque fois. Ah, il y en a un autre. Est-ce qu'on peut raise ici qui a l'air d'être beaucoup plus près? C'est juste à côté en fait. À côté. Ils font mal en fait les nécros. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai récupéré une hache? J'ai récupéré une hache, mais j'ai perdu tout le reste. Alors, faut que j'arrive à récupérer mon corps. Je devrais pouvoir. Ah, oh, bah là, il a pas récupéré sa vie. Mince, mais qu'est-ce que je fais? Nécro au moins. Ah mais il y en a un autre. Il y en a même deux autres. Aïe. C'est chaud là. Très très chaud. Juste un tout petit peu de vie. Ah, c'est bon. Ok. Eh ben c'est pas aussi simple qu'on croit. Hein. Allez tiens, on est. Oh. Purée. Le jour va pas tarder à se lever. On
ça va être tendu. Et le jour se lève. Blood sustains me. Il faut peut-être pas le tuer. Est-ce qu'on peut le... Non. Il va se relever ou pas? Non, il n'a pas l'air. Bon, bah c'est bien, il est mort. Ah. Et ben, vous voyez, je croyais que ça allait être une promenade de santé, mais en fait, il nous a donné du mal, ce cimetière. Par contre, il n'y a rien de particulier. Ok. Y a rien par là. Oh, y a rien en fait. Y a rien, mais les nécros font bien mal, hein. Ok, attendez. Ah non. Du cuivre. Je prends. Ok, alors. On est sur la carte là. On peut utiliser ce portail là au pire. Mais qu'est-ce qu'on a par là? Ça peut être bien d'explorer un peu un cimetière profané là. Ça c'est un cimetière infesté. Camp des trappeurs bandits. Faudrait voir s'il n'y a pas des TP des fois de dispo. Là j'en ai 1, 2, 3, 4. Un qui est juste à côté de ma base. On va les visiter par là. C'est à côté du TP, hein, après. Cimetière caché. Portail d'accès des bois. Hein. Allez, tiens, on va les visiter par là. On va y faire un petit peu de visite. Ça change un peu. Hop. Hop. De la fibre, ça, ça m'intéresse. On va pouvoir se fabriquer aussi comment dire, la nouvelle arbalète. On va aller voir ça après. Tiens toi là-bas là. Qui me faisait tellement peur au début. J'ai besoin de ça. Boum. Parfait. Il fait quand même mal, hein. Allez, on va voir par là.
Ah, c'est du papier. Là, j'ai une toilette. Impeccable. Alors... T'arrives dans la balle, hein. Ah, il y a un coffre là. Vase et plantes, d'accord. Voilà. Retour dans mon élément. Fait du bien. Après, c'est sûr que si on n'explore pas, on va pas trouver des livres et compagnie. Hein. C'est quoi ça? Du soufre, hein. M'intéresse. Ah mince, je suis trompé de touche. Parfait. C'est par là apparemment. Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, c'est juste des zones de construction. D'accord, bon. Comme bandit, c'est pas celui qu'on vient de faire, ça? Non, apparemment non. Mais non, m'embête pas, toi. Merci. Bah, dis donc. Voilà. Ça, c'est fait. Le camp de bandits. Apparemment, c'est par là. Du soufre. Je prends. Sur la gauche. Parfait. Par là. Allez. Sanguine regeneration. C'est parti. Tiens, il y a une chose que j'ai oublié de faire. Hop. Dites donc. J'ai bien fait de venir. J'ai très bien fait de venir. Peut-être trouver quelque chose d'intéressant là-dedans. Nuit magnétique. D'accord. Ah, de la poussière de tombe. Cool. J'en aurais peut-être pas assez. Ah, j'ai plus de place. Je n'ai plus de place.
Je n'ai plus de place. Écoutez, je sais pas quoi faire. Je peux peut-être faire ça, regardez. Hop. Comme quoi, au début l'inventaire ne se remplissait pas, maintenant c'est limite. Ah, il y a un autre coffre. I must make room if I want to carry it. There is no space in my inventory. Ah, c'est du tissu. Mince, oui. Ah purée, je peux pas prendre tout ça. Non, ça c'est important, mais tout est important en fait. Bon bah tant pis, hein. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors le TP, il est où là? Faut qu'on rentre à la base. Il est là. Il est loin ou pas? Oh non, 164 mètres, très très près. Ça c'est top. Les petites expéditions comme ça c'est toujours cool. Hein. Ah mais... Tant que vous portez certains objets... Impossible d'utiliser un portail d'accès quand vous portez certains objets. C'est-à-dire... L'épée? Ok, bah je sais pas. Ah non, il va falloir que je me tape tout le trajet, là. Ah oui. Bon bah c'est pas clair, en fait, hein. C'est pas clair du tout. Un kilomètre à faire. Et bah c'est parti, hein. Bon bah nous revoilà chez nous. On est arrivé. On est arrivé. Tranquille. Alors. Bon, j'ai rangé tout mon inventaire. Donc on avait des petites choses à découvrir. Hop. Entre autres. Ici. On avait ce livre-là. Ce livre-là. Je sais pas si... Ah, attendez. 59, on peut peut-être faire quelque chose avec ça. Ouais, 59, on peut... Alors, si j'ai l'épée de cuivre impitoyable. Ah, le soleil, 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 soleil. Mince. Ah, j'ai l'épée de cuivre, et là, j'ai pris... Celle qui est impitoyable. Alors. Et là, j'ai quoi? Vase et plantes. D'accord. Et la découverte. Un breuvage enchanté. Breuvage augmentant la puissance magique de 3. Ah, il faut le truc d'alchimie. Ce que je n'ai pas. Ok. Parfait. Alors. Allons voir. Il faudrait qu'on fabrique l'arbalète. Et là, qu'est-ce qu'on a appris? Elle est où, elle? Impitoyable. Elle est là. Il me faut 12 pierres aiguisées que je ne sais pas encore faire. Du cuir, des saphirs, ça encore c'est pas trop dur à avoir. Et il faut l'épée de cuivre normale que j'ai déjà. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Je passerai à 10,9 de puissance physique. D'accord, là il faut du cuir et du fil grossier. Le fil grossier, je ne sais pas encore le fabriquer, pareil.
Et l'arbalète. L'arbalète, elle est là. 16 lingots de cuivre et 8 planches. Alors par contre, elle, je sais la faire. Lingot de cuivre. On va en remettre. Tout ça, c'est en fabrication. Ça fabrique des trucs. Ah, les planches, par contre, non. Ouais, bah ouais. Ça va tellement vite maintenant que. Non, là. L'arbalète. On y va. Alors, une arbalète un peu plus puissante. Et ouais, on est à 8,5 et là, on est qu'à 6,5. Donc, ça peut être que meilleur. La hache. Bah, il nous... Toujours les pierres à aiguiser. Parfait. Allez, ça c'est mieux. Donc ça c'est bon. Voilà. On range ça correctement. Parfait. La pierre. Déjà? Purée, ça va trop vite. Là j'ai 5 poussières de thon. C'est ce qu'on a trouvé dans les... En faisant notre exploration. Et il m'en faut combien? Pour faire le portail. C'est où ça? Téléporteur. Il m'en faut 4. Briques, sagé. Eh ben on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça, c'est top. Briques. Très bien. Et poussière de gemme. Et ça, on les avait fabriquées. Allez, on va faire ça. Puisque c'est ce qu'on nous demande. Et on va le mettre ici. Ah, wow, c'est gros. Je m'attendais pas à un truc aussi énorme. Je m'attendais pas à un truc aussi énorme. Mince. Alors, ça vaudrait peut-être le coup d'agrandir la base jusque-là. Et ouais. On va le construire quand même pour des, pour comment dire, valider la mission. Construire et interagir avec un portail d'accès. Sympa. Maintenez pour vous téléporter. Impossible d'utiliser quand vous portez certains objets. Mais c'est quoi les objets? Bah... Je comprends pas. Est-ce que des fois c'est... Est-ce qu'il faut que l'inventaire... Bah non, ça rime à rien. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. On va mettre ça dans le coffre à bordel. Bah après, je vois pas quoi. Bah, je sais pas ce que c'est, l'objet en question. C'est peut-être le sang, je sais pas. Là, c'est bon, ça a validé. Recognize my power.
se lier à un cercueil de pierre. Domination. Cercueil de pierre. Ah, il me faut des poussières. J'en aurais pas assez par contre. Il m'en reste plus qu'une. Ok. Ok, bah écoutez, je pense qu'il va falloir explorer. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Des vases. Ah, oui, ça peut être bien. Ok, bon bah, va falloir que je farme un petit peu de mon côté. On va, là, ça c'est pas bien ici. Hein. Je pense qu'on va agrandir par ici. Et, ah, bah, je verrais bien le portail par là. Ouais. Je verrais bien le portail par ici. Juste là. Allez. Il faut prendre quelques minutes pour faire ça, c'est surtout que c'est rapide. Place. Parfait. Alors, on va récupérer. Alors déjà, on a besoin en tant de quantité. On va refaire des planches. On va refaire un peu de pierre. On va récupérer ça. J'aurais peut-être pu prendre des planches en même temps. Ça aurait été judicieux. Hop. Allez, on y va. On va refaire les sols. Et après, on va arrêter la vidéo. Château mis en fondation. Toc. Nous, on met cela. This will not work. Mince. Ah, les gars. Ça qui m'empêche de travailler. Mais qui me rapporte de la pierre. Ok, on y retourne. Au moins là, quoi. C'est pas vrai. J'ai encore tout ça qui me gêne. Ah, mais c'est pas possible. Hop, il y a ça qui me gêne aussi. C'est bon là cette fois. Yes. Mur. Alors attendez, ce qu'on va faire pour pouvoir déjà avoir une bonne idée de la superficie. Ces productions, téléporteur, voilà. Je le mettrai bien comme ça.
Parfait. Château, mur. Fondation. Pour l'instant, on va faire comme ça. Quoique non, on peut fermer là. Pourquoi pas. On laisse une grande entrée comme ça, peut-être. Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de toit. Ah, on peut faire un... Ah, attendez, j'ai une petite idée. On peut faire un truc comme ça. Juste une grille. This will not work. Quoi? Ah, il me faut des lingots de cuivre. Ah, attendez, on va chercher ça. On va finir quand même. Hein. On va commencer. On va même faire de l'éclairage. Hop. Sympa. Le soleil se lève. Mais là, normalement, on a un toit. Éclairage maintenant. Je mettrais bien des brasseros. Si je mettais un brassero. Comme ça, et après, ah non, pas cette couleur là, on va créer une ambiance. Hein. On va créer une ambiance. Ah oui, mais non. Ah mais si, c'est très très bien. C'est bien au centre qu'il faut le mettre. Hop. Du coup, ça va me gêner. Ça va me gêner. Ok, B, château, fondation, tac, tac. Voilà, tout ça pour mettre un brassero. Ok. Eh bien écoutez, on a la salle de téléportation. Ah, sympa. Très sympa. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est très cool. Après les décorations, on verra. Hein. Parce qu'après, niveau décoration, ouais, on a les vases. Mais il faut quoi pour faire les vases? Ah, on a différents types, il faut des corps de pierre. Ouais, bah ça faut en fabriquer, on peut le faire. Ok, mais bon, c'est pas non plus une urgence. Et là, faut quoi? Juste de la fibre. D'accord. Ok, on verra. Hein. On verra. Ah, soleil. C'est top. C'est top. Notre château, il commence à péter. Hein. Franchement, commence à être vraiment sympa. Bref, allez, j'arrête ici. Ok, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ah non, attendez. Avant d'arrêter, hop, on a ça à apprendre ici.
soigne les alliés proches à hauteur de 60% de votre puissance magique et leur confère célérité. Ouais, bof. On peut le débloquer, mais bon, ça me... Ouais. Si ça me soignait moi encore, mais non. Mais j'ai mon propre soin. Bref. Bah écoutez, on arrête là. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.